sa visite là fut une réussite totale. Le tout bon plan de relations entre l'île Maurice et l'Inde en termes de relations personnelles, c'est un nouveau chapitre dans nos relations diplomatiques, économiques entre les deux pays. Fingay, l'occasion pour exprimer nos gratitudes et nos remerciements à l'Inde pour le soutien financier d'environ 12,7 milliards de roupies. Mon faire une autre requête aussi de 200 millions de dollars américains. Et si l'Inde acceptait, vous dire bien, si l'Inde acceptait, ça vient du coup sortir de 12,7 milliards, on va arriver à 20 milliards. Pena aucune demande, pena aucune contrepartie. Ça l'aide qu'ils ont fait de nous là, ils ont fait de nous, parce qu'ils ont sa considération qu'ils ont été là pour nous là. Pena n'en qu'ils ont été demandé en retour, qui nous vient faire. Profin aussi évoque le cas de Double Taxation Avoidance Treaty. Nos relations privilégiées, Profin demande à ce qu'ils, quand l'Inde peut négocier, ben, peut renégocier ben, les autres accords avec les autres pays. Premièrement, on demande à ce qu'ils nous gagnent un competitive edge par rapport à ce qu'on les autres traités là. Tout au moins, il ne faudrait pas lire moins favorable qui ben les autres traités. Le projet de Metro Express aussi, qui occupe une grande place dans nos discussions. Enfin, c'est très bien organisé pour nous capables, effectivement, d'être eux-mêmes dans l'Inde, qu'ils ont une faire, qu'ils ont une réaliser. Nous avons l'occasion de visiter Delhi Metro, Rail Corporation, et comme on get la technologie qu'ils ont servi, c'est franchement ben, un système vraiment de pointe. Mon demande aussi à l'Inde, en même temps, qu'il nous capable de considérer qu'il nous gagne une flexibilité. Si jamais ça leur a... Parce qu'initialement, nous avons un marqué pour l'autre poser. Mais si jamais nous pouvons décider pour servir une partie de ça l'argent là, pour financer un autre projet, évidemment, nous pouvons retourner vers l'Inde. Mais qui au moins est capable donc de nous sa flexibilité là? À qui est-il d'accord? C'est le principe. Donc, qu'il y a New Delhi ou bien à Mumbai, Mofin saisit sa visite là pour joindre ban opérateur économique, ce qui est très intéressant aussi, qui nous répond ban question à ban opérateur, et nous gagnons l'occasion aussi de joindre NRN autant qu'il nous capable, bien sûr, tout ban opérateur qui est présent. Je trouve vraiment, je trouve un grand enthousiasme, un grand intérêt, donc pour l'île Maurice. À propos des sagos. C'est donc confirmé qu'il a rendu Modi, fait de nous ce coup de sa faute aux Nations Unies. Ah, c'est ce que le Premier ministre a exprimé, qu'il y soutenait évidemment la revendication de l'île Maurice, la souveraineté des Sagos. L'Angleterre et l'Amérique, India qui nous ont une relation amicale. Nous ne sommes pas capables, nous avons une relation amicale. Et nous avons, quand il y a une litige de longue date, c'est une majorité du pays reconnaît la justesse de nos causes, nous avons évoqué une relation amicale. Relation amicale, comment me dire, l'idée côté. Si nous avons montré, si nous montrer, nous pouvons montrer bonne foi. Nous avons déjà fini de montrer bonne foi. Même pour l'ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, combien de fois il y a un rendez-vous avec le Premier ministre britannique, il a voulu promener. Mais quand il a voulu promener, il n'a pas voulu Navin Ramgoolam promener, il a voulu l'île Maurice promener, il a voulu nous tous promener. Le Premier ministre actuel, Sanuru Jagnat, lui aussi, il y a un rendez-vous. Jusqu'à David Cameron, il est allé. Pour un Américain, chaque fois qu'on a causé aux autres, vous connaissez ce que je dis à nous?
Je dis, nous, ça n'est pas mon problème, ça. Vous avez besoin de discuter avec l'Angleterre. Vous êtes fini, mais vous êtes fini. À ce temps, quand nous payons, nous pouvons faire une démarche, nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons aller à une instance internationale. À ce temps, qui l'Amérique, comment dire, Moi, je veux dire franchement, c'est une mauvaise foi. Hein? À ce temps, je commence à dire, je t'ai envoyé un émissaire, à ce temps, je peux dire, nous besoin guetter, qui m'a nous résoudre ça d'une façon amicale. Nous encore disposés. Nous encore disposés. Mon brief, le premier ministre de l'Inde, le justement comportement de Ban Anglais et de Ban Américain.